Salut, 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 c'est comment? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super, super bien parce que je suis très, très heureux ce matin. Vous devinez pourquoi? Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup comme moi qui sont très heureux ce matin, qui ont la pêche même. Parce que Dieu merci, notre Didier Arafat est au pays et il y a rien eu. Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Voilà, parce qu'il faut dire la vérité. Il y a beaucoup qui conspiraient, il y a beaucoup qui conspiraient comme quoi quand il arriverait. Ils allaient l'attacher, le jeter en prison. Dieu merci, il est arrivé. Il y a eu même des escortes de certaines autorités, policières et gendarmes. Madame, donc, ça ne peut qu'être très reluisant pour nous. Très, 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 comment je dis ça? Je cherche le mot. En tout cas, c'est parfait, quoi. Moi, je suis content. Moi, je suis vraiment, vraiment content. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'a pas plu. Il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment pas plu. Et ça, c'était au niveau de certains fans qui sont allés l'accueillir à l'aéroport. Vous voyez, il y a un truc que vous devez comprendre. Quand votre artiste vous demande d'aller l'accueillir à l'aéroport, et surtout quand il y a une peine de prison qui plane sur lui, évitez, évitez, évitez tous les messages provocateurs. Parce que moi, par exemple, je suis un procureur. Et puis bon, je traîne sur les réseaux sociaux, puis je vois à l'aéroport des messages comme sur des banderoles, hein, sur des pancartes. Il n'y a rien en face, c'est maïf, on ne peut rien lui faire. Ça faut être orgueilleux. Et là, je peux prendre une décision pour dire, bon, comme ils pensent que leur artiste, il est intouchable, ok, on va agir. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent actuellement. Voilà. C'est vrai que notre DJ Arafat était très malin pour venir 7 août, jour de l'indépendance et jour d'une grâce présidentielle qui planait, non pas sur des civils, mais sur des prisonniers politiques. C'est ce que vous devez retenir en fait. Ne confondez pas. Il y a beaucoup d'amalgame là. Dieu merci, le mec il est rentré, rien ne s'est passé, on ne peut qu'être heureux. On ne va pas venir ajouter. Avec ce genre de trucs là, ce genre de provocation là, ben, c'est des choses qui te déplaisent, c'est pas bon. Parce que moi, le mec, on dit qu'il va aller en prison et il arrive au pays, on l'attrape pas et puis on voit certains de ses fans qui ont ce genre de messages là. Ça fouette, c'est comme si genre vous foutez des autorités et ça peut jouer en notre défaveur. Donc dorénavant, c'est des choses à éviter en fait. Bon, c'était mon message du jour, hein, franchement. Parce que quand j'aime vraiment quelqu'un, donne des conseils et à lui et à ceux qui le suivent pour qu'ils évitent que cela gâte les choses à son niveau. Voilà. Parce que nous tous, on avait peur, on était là. On se disait, ah, DJ Arafat arrive, il est là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu merci, rien ne s'est passé. Mais dorénavant, évitez ce genre de choses-là. Mais les Yorgan Gavi, la Chine, mais les histoires comme, il n'y a rien en face, c'est maïs. Vous savez ce que ce slogan a fait? Vous voyez un peu, non? En 2010, vous savez parce que ça fait, c'est des choses qui révoltent. Voilà, donc évitons ça. Évitons ça. Sinon, moi, je suis très content. Très content, Dieu merci, il est là. Rien ne s'est passé. Et puis, on attend la suite. Que Dieu vous bénisse et très bonne reprise du travail à tous. Ciao, ciao.